pasteur Roland Beck, qui fait un travail excellent. Plusieurs fois, il m'a invité au niveau de l'île Maurice. Il est établi en île Maurice. L'île Maurice, c'est au sud vers Madagascar. Vous voyez, l'Afrique du Sud, Madagascar. Donc, quand tu fais Paris, Maurice, tu as 11 heures de vol. Dis avec moi, waouh! Il y en a même 2 heures, ils n'arrivent pas. C'est trop long, ils ont envie de descendre parce que ça fait peur. 11 heures! Voilà, il est venu, il est en France pour quelques jours seulement. Alors, il nous a fait l'honneur et le privilège de pouvoir nous apporter la parole. Et on l'a déjà reçu une fois, on était de l'autre côté à Alfortville, c'était un mardi. Et il est encore avec nous aujourd'hui. Cette fois-ci, il n'est pas venu seul. Il est accompagné de sa charmante épouse, Maman Annette, que je vais demander de se tenir debout. Est-ce que Maman pouvait vous tenir debout? Nous voulons debout. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa servante, Maman Annette? Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Et il est chez son fils qui est ici, Benjamin, qui est avec son épouse. Je vais demander aussi de se tenir debout. Benjamin, tenez-vous debout. Que Dieu vous bénisse. Je vous assure, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à chaque fois que je vais à l'île Maurice, je rentre ici, il faut que je jeûne. Parce qu'ils me gavent. En tout cas, ils nous reçoivent très bien, très très bien alors. Alors nous sommes vraiment dans la joie de le recevoir ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Roland Beck, que je vais inviter ici. Merci. D'abord, je vais remercier beaucoup, beaucoup le pasteur Douglas, l'apôtre Douglas, et son épouse, la maman de cette église, la première dame, et qui m'a fait l'honneur et le plaisir de venir ici partager la parole de Dieu. Amen. Amen. Et je vous salue tous dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse tous. Hein? Et quel plaisir de célébrer le Seigneur. Hein? Mais je ne parle pas le français correctement. Mais je vais essayer quand même. Amen. Mais le pasteur, l'apôtre Douglas, nous sommes rencontrés plusieurs fois à l'île Maurice. Même ici en France, j'étais là la dernière fois. Mais j'aime ce pasteur. Il prêche bien. Faut l'onction. Fire du feu. Hein? Il a fait 2 années consécutives de séminaires pour les jeunes. C'était vraiment merveilleux. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Amen. Ce matin, je suis là avec ma femme. J'ai 4 fils. Une seule femme, malheureusement. Nous sommes ensemble depuis cette année-ci sera 41 heures. 41 ans. L'année dernière, on a fêté 40 ans. Cette année-ci, 41. En décembre. C'est pas facile quand même, hein? Tout le monde dit comment tu as fait. C'est pas facile, hein? Il m'a donné 4 fils. Ça, c'est lui, c'est le Benjamin. On a mis son nom Benjamin. Parce qu'il est 4e, dernier. 4 fils, 4 belles-filles, 5 petits-enfants. La dernière, sa femme s'appelle Zahila, de la communauté musulmane, qui s'est convertie. Alors, laisse-moi vous dire, la vie du couple, c'est très, très difficile. Bon, les hypocrites vont dire,
ça va. Moi, je ne suis pas hypocrite. Mais j'ai dit, ce n'est pas facile de voir, de regarder, même visage tous les jours. Est-ce que c'est facile de regarder le même visage tous les jours? C'est pas facile, hein? Ça fait plus que 40 ans, là, je regarde le matin, le soir, même visage. C'est pas facile. Mais ce qui fait la beauté, nous sommes ensemble. On résiste. Il y a des hauts et des bas. Mais Dieu est bon. Amen. Dieu nous garde, nous préserve. Nous ne sommes pas même caractère, même mentalité, même tout. Il est timide. Moi, je suis. Oh. Alléluia. Amen. Mais je suis content quand même de faire ce combat pendant 40 ans. Et nous sommes restés ensemble. Et nous resterons ensemble. Ce que la vie ne sait pas. Amen. Essayez de rester ensemble. Amen. Nous sommes mariés très très jeunes, à l'âge de 21 ans. Très très jeunes. Nous avons quitté la maison. Notre famille, nous allons habiter tout seuls jusqu'à aujourd'hui. Et c'est une grande expérience. Une grande expérience. Mais Dieu, avec Dieu, tout est possible. Ne cherchez pas. J'ai tout le temps dit à ma femme, si demain je trouve une femme, même caractère avec moi, même habitude, je te laisse. Mais où trouver ça? Tu peux trouver une personne comme toi? Jamais. Jamais. Mais plutôt persévérer avec celle-là. Alléluia. Parce que les gens cherchent même caractère, même habitude, même tout ça. Tu chercheras en vain. Amen. Ce matin, mon titre, j'ai mis un titre, est-ce que le Seigneur te connaît? Ouais. Est-ce que le Seigneur te connaît? Depuis combien de temps il te connaît? Est-ce qu'il te connaît encore? C'est ça la différence. Alléluia. Je voudrais commencer par le psaume 139. Vous savez, le ciel, c'est une place très difficile d'entrer. C'est pas facile. Crois-moi. Il y a 2 semaines, à l'église chez nous, à l'île Maurice, une jeune fille musulmane qui a 17 ans maintenant, mais qui s'était tombée dans le coma à l'âge de 10 ans. Le Seigneur a transporté son âme dans le ciel et puis il a rencontré le Seigneur. Elle a dit, dans son témoignage, elle a dit que c'était une place très, très merveilleuse, très jolie. Et quand tu arrives là-bas, tu ne veux pas retourner sur la terre. Mais elle a supplié le Seigneur, musulmane, hein, connaît rien, Jésus connaît rien. Mais il a supplié le Seigneur, il a dit au Seigneur, c'est très joli, mais je voudrais quand même retourner, avertir ma mère et mon père que j'aime beaucoup. Mais le Seigneur l'a permis de retourner. Elle était dans le coma. Mais elle a retourné la vie, le docteur l'a condamné, mais elle a regagné sa vie. Et puis maintenant, elle s'est convertie. Pourquoi? Parce qu'il a vu le Seigneur. Mais dans son témoignage, elle dit que ce n'est pas une place facile d'entrer. C'est très difficile d'entrer là-bas. Ce matin, je vous dis, efforcez-vous d'entrer. Faites tous vos efforts pour atteindre ce but. Amen. Dans Psaume 139, verset 15,
il dit, mon corps n'était point caché devant toi. Alléluia. Lorsque j'étais fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe dans le ventre de ma mère, j'ajoute moi, tes yeux me voyaient. Et sur ton lit, tout le monde dit, sur ton livre. Redis. Dis à ton voisin. Le livre de Dieu, hein. Et quand votre nom était inscrit dans le livre de Dieu, avant même que vous naissiez, votre nom était inscrit, tout. Le jour qui m'était destiné avant que qu'un d'eux existât. C'est bon, pasteur. Jérémie, chapitre 1, verset 2. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que je fusse sorti de son sein, je t'avais consacré. Est-ce qu'on peut répéter ça? Consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Dieu nous a choisis avant même que nous naissions. Il connaît notre destinée. Il sait tout inscrit dans son livre. Le jour où tu vas naître et le jour où tu vas terminer tes jours sur la terre. Il connaît tout. Il connaît mon destinée, il connaît tes destinées, il connaît tout. Dieu nous a créés pour un but spécial et spécifique. Amen. Mais tout ça, tout ce plan, Dieu nous a donné la vie sur la terre pour vivre sur la terre dans la liberté, pour vivre sur la terre, pour l'adorer. Et puis il y aura une fin pour toutes choses. Il y aura une fin, nous allons mourir ou nous allons quitter, nous allons mourir. Si le Seigneur n'arrive pas, nous allons mourir tous. C'est ça, pour moi, plus inquiétant pour moi, c'est après la mort. J'aime vivre sur cette terre, j'aime prêcher la parole de Dieu, mais je voulais aussi, à la fin de mon destinée, à la fin de mes jours, j'aimerais bien voir le Seigneur face à face. Puisqu'il me connaît. Amen, amen. Moi, je fais tout. Je ne suis pas parfait. Mais je fais tout. Dans mes chez-vous sur la terre, je fais tout pour un seul but. Je travaille pour l'Église, prêcher la parole de Dieu, soigner les brebis. Je fais tout ça. Mais je dis, Seigneur, merci pour le ministère que tu m'as donné. Je ne savais pas si un jour je serais un pasteur. Ce n'était pas mon désir. Quand j'étais jeune, je voulais travailler comme chauffeur poids lourd. Mais j'ai réussi dans la vie à travailler comme chauffeur poids lourd pendant 20 ans. Et puis le Seigneur m'a saisi. Il m'a donné ce ministère que je travaille en plein temps maintenant. Amen. Je dis, Seigneur, merci pour le privilège que tu m'as donné, pour tout ce que tu as fait pour moi, pour la guérison de ma femme, pour sa délivrance, pour le ministère,
pour ma délivrance, que tu m'as retiré dans la drogue, tu m'as retiré dans l'alcool, tu m'as retiré dans la boue, dans le fumier. Je suis très content. Mais je sais que tu m'aimes. Mais pour moi personnellement, c'est le ciel. Parce que je sais très bien que nous quitterons, que tu es riche, que tu es pauvre, rouge, noir, blanc, tu laisseras la terre un jour. Mais où? Où partir? C'est ça. Il faut conscience ce matin. Nous sommes dans les derniers temps, dernière heure. Tout peut arriver à n'importe quel moment. Mais, est-ce que quand tu arriveras là-bas, il te connaîtra? Qu'est-ce qu'il va dire? Quand nous regardons dans le Matthieu, chapitre 7, verset 21, c'est ça le message. Qui dit Seigneur, Seigneur? Est-ce que le monde ou l'Église? L'Église. Là, il parle à qui? Dis-moi, parle avec moi. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, c'est l'Église. L'Église, il parle à l'Église, il parle à moi. Là, le Seigneur qui parle. C'est lui qui parle. Il met de l'emphase là. Grande emphase, c'est lui qui parle. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Pas tout le monde qui rentrera. Mais, tout le monde dit mais. Très fort, mais. En anglais, on dit but. But. Mais. Mais le pasteur Roland et sa femme, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Pasteur Bénin, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Celui-là. Est-ce que tu es celui-là? Nous chantons, c'est bon. Moi, j'aime l'adoration. Le pasteur Douglas nous connaît. J'aime l'adoration, je suis... Tous les vendredis, on met l'adoration pendant 2 heures. De 6h à 8h, 8h30, c'est-à-dire 2h30. J'aime l'adoration. Parce que de l'adoration, la louange du Seigneur descend. Il y a la délivrance, il y a la guérison. J'aime ça. Le feu. Mais je voulais être celui-là. Je prêche la parole. Je voyage. C'est bon, tout, c'est bon. Mais parfois, l'Église oublie qu'il y aura un temps pour tout. L'Église oublie que cette vie que nous menions ne nous appartient pas. Il appartient à lui. Amen. Il nous jugera pour la vie éternelle qu'il nous a donnée. Amen. J'aime beaucoup de choses dans l'Église. Mais il dit, mais c'est lui la seule, seule. Pas même ma femme. C'est lui la seule qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Amen.
J'adore les chrétiens, l'église. Je suis converti à peu près 30-32 ans. On fait beaucoup de choses. Mais parfois, on fait beaucoup de choses, mais on ne fait pas la volonté de Dieu. On fait beaucoup de choses. On travaille beaucoup pour le Seigneur. Est-ce que tu es dans la volonté de Dieu? Parce qu'il dit très bien, celui-là seul qui fait la volonté de Dieu entreront dans le royaume de Dieu. Il dit aux chrétiens, c'est pourquoi il dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, il parle à l'église, qui prophétise? L'église. N'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Nous n'avons pas chanté sur l'estrade. Nous avons dansé. C'était moi-même qui chantais, qui prêchais, qui jouais. C'était moi-même. Tu me connais, toi? J'ai prêché ta parole. J'ai risqué ma vie. J'ai prophétisé. Tout ça, c'est bon, c'est bon. Laisse-moi vous dire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, adorateurs, qui ne font pas la volonté de Dieu. Parfois, Dieu n'a pas appelé ce pasteur, mais il est là, sans la volonté. Il prêche la parole de Dieu sans la volonté de Dieu, puisqu'il est, il est allé à l'école biblique, il a un certificat. Mais est-ce que tu as l'appel? Est-ce que tu as est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu es là? Est-ce que c'est la volonté de Dieu que tu es dans cette église? C'est la volonté de Dieu. Bien sûr, c'est la volonté de Dieu que tu es là. Mais parfois, tu es dans des places qui n'est pas la volonté de Dieu. Regarde-moi. Servir le Seigneur, c'est autre chose. Faire la volonté de Dieu, c'est autre chose. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Beaucoup de gens s'assoient ici, mais ne font pas la volonté de Dieu. Ils ne connaissent même pas la volonté de Dieu. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? Mais oui, c'est plus facile de plaire aux gens que de plaire à Dieu. La volonté de Dieu, c'est plaire à Dieu. Pour plaire à Dieu, il faut avoir cette vie de transformation. Dieu veut que nos vies soient transformées. C'est ça la volonté de Dieu. Transformation, repentance. Vraie repentance. Premier dimanche de cette année-ci, dans l'église où je prêche, pendant 22 ans, cette année-ci fait 22 ans. J'ai dit ouvertement à l'église où je travaille. Cette année-ci, si vous ne voulez pas vous transformer ou répentir, la porte est libre. Il y a des églises partout. Allez. Les gens me disent, tu es fou. Je dis non, je ne suis pas fou moi. Ce que le Seigneur m'a dit, c'est tout. Si tu viens à l'église pendant 40 ans, pas de transformation, pas de repentance, ta vie est celle d'autrefois. Il n'y a rien qui illumine en toi. Qu'est-ce que c'est? On ne peut pas venir à l'église sans transformation. La parole de Dieu, c'est j'ai une pique qui transforme. Hey. Comment on peut venir à l'église? Il n'y a pas d'obéissance. Il n'y a pas de transformation. Et tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu fais ce que tu veux. Ce n'est pas possible. Tu joues. On ne peut pas venir à l'église pour jouer. Et c'est le dimanche maintenant. On doit à l'église, on doit prendre la Sainte-Seine. On doit mettre l'offrande. Le Seigneur va te dire, je ne te connais pas moi. Je ne connais pas. Tu as fait beaucoup de choses.
qui est bon, mais qui n'est pas la volonté de Dieu. Oui, beaucoup de choses qui est bon, mais qui ne plaît pas à Dieu. Chaque chrétien, il y a son destinée. Il a donné des dons, des ministères, mais tu dois chercher qu'est-ce que je veux faire selon la volonté de Dieu, pour plaire à mon Dieu. Je ne veux pas plaire aux hommes. J'ai dit ouvertement, ce premier dimanche janvier 2019, la porte est grande ouverte. Il y a des églises partout, comme des salons de coiffure. Allez-y. S'il vous plaît, faites de la place à ceux qui veulent se transformer. Faites de la place. Corinthiens chapitre 15, verset 19. Faites la place, hein? En Corinthiens 15. Excusez-moi, je n'ai pas donné tout, hein? Je n'ai pas donné tout le verset, mais ça va? Si dans cette vie seulement sur la terre que nous espérons en Christ, nous sommes le plus malheureux de tous les hommes. Qu'est-ce qu'il y a, terre? Mangeons et buvons, demain nous mourrons. C'est ça quoi? Qu'est-ce que vous espérez? Non. Nous travaillons plus sur la terre pour notre ventre, pour nos habillements, pour nos enfants. C'est bon, Dieu nous bénit, c'est bon. Mais est-ce que vous travaillez votre vie spirituelle? Est-ce que vous essayez d'entrer dans la volonté de Dieu? Est-ce que vous essayez de plaire à Dieu? J'espère que vous n'êtes pas venu ici pour plaire aux hommes. Ah, le pasteur, il va me téléphoner ce soir si je ne viens pas. Hein? Hey, je viens, mais qu'est-ce pour pas être grogné, tout ça. Je viens. Non. Moi, je ne fais rien pour les hommes. Pour plaire à Dieu. Je vis, j'essaye ma vie. Je combats ma vie. Je travaille mon âme parce que je sais qu'un jour, je partirai, je quitterai cette terre. Et je voulais, après, de travailler dur sur cette terre, je voudrais rencontrer le Seigneur. Imaginez-vous, nous sommes venus à l'église pendant 40 ans, 50 ans. Je prêche la parole de Dieu, vous prêchez, vous faites. Et le jour, le Seigneur me dit, avons-nous fait beaucoup de miracles pendant? Alors je dirais ouvertement. Je vous ai jamais connu. Hey, imaginez chez vous. Où allez? Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Chez vous viendra. Faites ce que vous voulez. Chez vous viendra. Aujourd'hui, c'est le jour de la repentance. Laisse-moi vous dire, faites ce que vous voulez sur la terre, ce jour viendra. Il ne dira pas, je te connais, tu es venu à l'église plusieurs fois, 7 sur 7. Non. Nous serons face à face
avec lui. Là, tu peux discuter avec l'apôtre. Ah, tu sais, mon fils était malade, c'est ça. Tu peux raconter l'histoire, des excuses. Devant le Seigneur, est-ce que tu peux discuter? Lui qui connaît ta vie, lui qui connaît ta destinée, il connaît tout. Ton nom est inscrit de ta naissance, il connaît tout. Et ce jour, ce sera terrible, terrible, terrible. Terrible. Moi, quand je dis ça, c'est pas facile, je prêche ça partout. Même j'étais au Sud-Afrique, en anglais, je prêchais ça dans deux églises. Ce sera pas facile. On est venu à l'église, on a chanté, on a prié, on a fait de bonnes œuvres. Maintenant tu me dis, tu me connais, et moi j'ai lu dans Psaume 139, tu me connais, tu dis Jérémie, je te connais. Maintenant tu dis, tu ne me connais pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Je fais tout mon mieux. Il ne répond pas, il ne discute pas. Il me dit, non, il pourra me dire, oui, je te connais, mais tu as fait ça. Non, tu as prophétisé, c'est bon. Tout ce que tu... Non. Je ne te connais pas. Ouvertement comme ça, ce sera le jour plus dur de notre vie. J'aimerais pas être dans ces positions-là. Non. Frères et sœurs, réveillez-vous. Chaque jour, c'est l'occasion de repentir. Chaque jour que Dieu nous donne, c'est l'occasion de nous remettre debout, réaliser ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Amen. Le plan de Dieu n'est pas mauvais, hein? Mais il est sévère. Il est notre juge. Écoute-moi bien. J'étais mort. J'étais dans la boue. Pour le Seigneur, j'étais mort. Vous étiez mort. Il nous a donné la vie à travers le plan de la rédemption. Il nous a redonné cette vie que nous vivions autrefois sans lui dans le péché. Il nous a pardonné. Il nous a donné la vie. Qu'est-ce que vous voulez plus que ça? Pourquoi on ne peut pas vivre selon sa volonté? Qu'est-ce qu'il y a dans le monde plus meilleur que la vie de Dieu, la vie éternelle? Il n'y a rien dans ce monde. Laisse-moi vous dire, il n'y a rien dans ce monde. Rien. Moi, j'aime Dieu parce qu'il a fait ce plan de la rédemption. C'est un plan merveilleux pour nous. C'est un plan extraordinaire. Il nous a donné la chance de réconcilier avec Dieu, de marcher avec Dieu. Dieu nous donne la chance. À chaque prédication, à chaque message, à chaque instant que nous mettons en genoux devant Dieu, il nous donne la chance de réconcilier avec lui. Alléluia. Jésus sera terrible. Terrible. Dans Exode chapitre 33. Est-ce que votre nom peut s'effacer? Oui. Puis, il peut s'effacer. Exode 32.
verset 32. Le peuple de Dieu ont péché. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? L'Éternel dit à Moïse, c'est celui qui a péché contre moi, j'effacerai de mon livre. Je effacerai. Ton nom était là-bas. Peut-être encore là-bas. Mais le jour où tu iras face à face avec lui, quand il dit je ne te connais pas, ça veut dire que ton nom a été effacé. Parce que tu as resté dans l'iniquité et dans le péché. Amen. Amen. Venir à l'église, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Mais vivre une vie transformation. Surpasse tout le péché. Surpasse ce monde. Et le Saint-Esprit te dirige. Il dit là dans l'Apocalypse 3, 5. Tout le monde dit, c'est lui. C'est lui qui vaincra. Sera revêtu. Revêtu, ça veut dire, tu étais vêtu, le Seigneur t'a revêtu de cette robe blanche. Ainsi des vêtements blancs. Partout le monde. Partout le monde. Malheureusement, c'est pas tout le monde. Ce n'est pas tous les chrétiens, tous ceux qui viennent à l'église tous les dimanches, bonheur, première place, non. C'est lui qui vaincra quoi? Le péché, le monde, le système de ce monde, la vie de ce monde, le train de ce monde. Il y a récompense pour ces gens. Quand tu vas chercher ton diplôme à l'école biblique, on a mis ça. On a mis le manteau. Vous vous rappelez? Ça, non. Ça, tu peux montrer la photo au Seigneur, dit non. Ça, non. Ça, c'était pour la terre, pour ce que tu peux travailler dans l'église. Mais moi, je veux celui qui vaincra. Je peux remettre ça. Celui qui vaincra sera vêtu ainsi de vêtements blancs. Et quand tu paraîtras devant le Seigneur, without this coat, white coat, sans ce vêtement blanc, je ne vous ai jamais connu. Laisse-moi vous dire, je travaille encore pour mon salut. Je travaille encore pour mon salut. Je remercie le Seigneur chaque jour que je vis, en plus sur la terre, je travaille mon cœur durement. Réveillez-vous. Chez vous, ce sera terrible, terrible, terrible. Terrible. Redonne-moi. Je ne fasserai point son nom du livre de vie. Ça veut dire on peut effacer. Parce que Moïse a dit, si tu effaces le peuple d'Israël, efface mon nom. Il dit non. Celui qui a péché contre moi, j'effacerai son nom. Son nom qui était inscrit à la naissance. Psaume 139. Ton nom était inscrit. C'est ça qu'il dit Jérémie, je te connais.
Et moi, quand j'ai dit ça, j'ai dit, Seigneur, comment ça? Tu as dit à Jérémie, je te connais, tu me connais. Maintenant, tu dis, je ne te connais pas. Là, je vais chercher, tu dis non. Non seulement je n'effacerai pas son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Hallelujah. 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 Cherchons d'abord le royaume de Dieu. Cherchons la justice de Dieu. Marche dans la justice de Dieu. Ayez compassion. L'orgueil, ce n'est pas la volonté de Dieu. La haine, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'adultère, ce n'est pas la volonté de Dieu. Le mensonge, ce n'est pas la volonté de Dieu. L'amertume, ce n'est pas la volonté de Dieu. Les partis pris, tout ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. La jalousie, ce n'est pas la volonté. Mais Dieu est bon. Dieu est bon. Il donne chaque jour, à chaque fois que tu entends la parole de Dieu. Non, Dieu ne suit pas ton cœur. Dieu parle à quelqu'un ce matin. Alléluia. Je dis Dieu parle à quelqu'un ce matin. De repentir ce matin. Alléluia. C'est le jour que Dieu a choisi pour toi ce matin. Tu dois repentir. Si moi, en tant que pasteur, je travaille encore durement mon corps, mon esprit, mon âme. Je ne veux pas perdre ce jour. Et imaginons-nous, nous serons face à face, face à face, face à face. Le jour où on ne peut pas discuter à la cour sur cette terre, quand tu vas à la cour, ton avocat se discute pour toi. Plaide pour toi. Tu iras devant le Seigneur, le juge. Il va nous juger. Et ce jour sera terrible, terrible, terrible. Celui qui vaincra. Celui qui vaincra. Celui-là qui fait la volonté de mon Père. Il n'a même pas dit la volonté de Jésus. Il a la volonté de mon Père. Parce qu'il lui-même est venu pour faire la volonté de son Père. Il nous a enseigné comment faire la volonté. Son Père. Je vous laisse ce matin avec ces quelques mots, ces quelques paroles. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Mais. Une dernière verset, si vous voulez. Corinthiens, 1 Corinthiens, chapitre 10. Dieu ne mettra personne dans l'enfer. Mais celui qui entrera, il entrera par lui-même. Non, il n'a pas le courage de vous mettre dans l'enfer. C'est vous qui choisissez. Il nous a donné un libre choix. Si vous voulez faire la volonté de Dieu, c'est votre choix. Il ne force personne. Mais il y a la place pour tout le monde qui fait la volonté de Dieu. Frère, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 1er. Je ne veux pas que vous ignorez que vos pères, nos pères, ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, le baptême, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé les mêmes aliments spirituels. Vous écoutez tous la même parole de Dieu. Amen. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel quand ils buvaient à un rocher spirituel. Qui le suivait. Et ces rochers, c'était Christ. Mais la plupart, dit la plupart. Qu'est-ce que ça veut dire la plupart? Majorité. Vous voulez être dans la majorité? Dis non très fort. Mais Dieu nous donne l'occasion. Dieu nous donne l'occasion. Dieu nous donne l'occasion. Dieu nous donne l'occasion parce qu'il est très bon. Ils ne veulent pas que nous périssions.
Il a donné le peuple d'Israël 40 ans de se réconcilier avec lui. Ils n'ont pas pu le faire pendant 40 ans. Ils n'ont pas pu réconcilier avec Dieu. Dieu est devenu l'ennemi du peuple d'Israël. Vous vous rappelez, il a dit Moïse, l'ennemi que vous voyez, vous ne le verrez pas. Ils disparaîtront. Vous vous rappelez? Mais il n'y avait pas l'ennemi dans le désert. L'ennemi Pharaon a disparu là-bas. Mais qui était l'ennemi? Eux-mêmes étaient l'ennemi. Et plus il fait l'ennemi, il rébellait avec Dieu. Dieu nous a donné la vie, pourquoi se rebeller? Il faut être chasse, humble. Amen. La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu. Puisqu'ils périrent dans les déserts. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Tout le monde dit d'exemple. Afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eux. Ne devenez pas idolâtres comme quelques-uns d'eux. Selon qu'il est écrit, le peuple saisit pour manger et boire, puisqu'il se levait à pousser, divertir. Dieu nous a mis sur cette route. Il a dit deux portes. Seulement deux portes. La porte étroite et la porte large. Le salut est personnel. Très personnel. Il faut s'efforcer d'entrer. Venir à l'église, c'est bon, continuez de venir à l'église. Mais n'oubliez jamais que vous mourrez un jour. Vous voulez vivre 120 ans, allez vivre 120 ans. Mais vous quitterez ce monde. Vos corps s'affaiblissent, se vieillira. L'âme va nous quitter, l'esprit va nous quitter. Nous travaillons dur pour notre corps, mais travaillons dur, plus dur pour notre vie spirituelle, pour notre âme. Amen, 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 amen. Travaille dur pour votre âme, soit sauvée. L'enfer, c'est très dur, c'est très difficile. Comme il a dit, la plupart, la majorité, beaucoup appelés, peu de lui. C'est pour ça que c'est celui qui vaincra, celui seul, celui-là. Et tu dois être celui-là ou celui. Ne joue pas. Ne continuez pas à jouer l'église. Ce n'est pas l'heure. Ce n'est pas l'heure de jouer. C'est l'heure de repentir. Laisse le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Transforme nos vies. J'essaie de rebeller, de raisonner. Vous savez, les religieux, ça me fait discuter. Raisonner. Moi, je n'aime pas raisonner, j'aime pas. J'étais comme ça autrefois. Quand j'étais jeune. Non, cette fois-ci, non. Là où j'étais, là où je suis, laisse le Seigneur faire son travail. Pour moi, ce n'est pas l'église, mais non. Je veux des gens qui sont transformés. Est-ce que vous êtes bénis cet après-midi? Alléluia. Je vous souhaite à tous égards, hein, prospérité. Que Dieu vous bénisse. Je ne suis là pas pour condamner, pour vous avertir. Ce que Dieu a mis en mon cœur, maintenant où je passe, je prêche seulement ce message. Ce que je comprends, moi, c'est que Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer.
mais le jour, mais si vous continuez dans le péché, il ne pourra rien faire. Il nous a averti chaque prédication, et nous-mêmes nous lisons. Mais il ne veut pas que personne soit l'enfer. Il nous donne la chance tous les jours de se repentir. Mais aujourd'hui, mais combien de temps tu vas jouer? Comment tant tu vas discuter, rébeller? Ce n'est pas la volonté de Dieu. La rébellion, ce n'est pas la volonté de Dieu. C'est ça, c'est pour ça que Lucifer a été précipité. La jalousie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Non, la jalousie dans l'église, c'est trop. Hein? Pas dans le monde. Hein? Rébellion dans l'église, pas dans le monde. La jalousie dans l'église, pas dans le monde. Et tu dis, Seigneur. Non, non. Arrête. Que Dieu vous bénisse. Tu es Yahweh. Je ne sais pas trop chanter, moi. Tu es Yahweh, vous connaissez? Tu es Yahweh. Mais, ouais, j'ai chanté, c'est bon, mais. Oui, là, c'est bon, quand, le jour où vous avez. Le jour où vous présenterez devant Yahweh. Vous pouvez chanter comme ça. Tu es Yahweh, Alpha et l'Oméga. Tapez vos mains. Alpha et l'Oméga, oh, tu es.